Hola, bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de notre épopée sur le Sokoto. Alors la dernière fois, nous avions terminé sur la guerre entre les États-Unis, le Royaume-Uni et nous. Donc on avait fantoche le Royaume-Uni et on arrivait à une espèce de truc un peu, comment dire, d'un match nul vis-à-vis des États-Unis. Donc finalement, j'ai préféré faire une paix blanche parce qu'ils étaient tout à fait d'accord. Pour une raison très simple, c'est qu'il fallait impérativement sauver la France. Si je perds la France, il va falloir à nouveau recommencer à le fantoche, refaire la guerre, etc. Ça va être un peu compliqué. Donc j'aide à fond la France, et là ça y est. Ça y est, Paris est à nous. Voilà, Paris est à nous. Donc là ça va très vite chuter, ça c'est très très bien. Et une fois que ce sera fait, je vais sûrement m'occuper de l'Espagne. En fait, maintenant que je suis en paix, donc j'ai une trêve de 5 ans avec les États-Unis, je vais en profiter pour aller prendre les autres petits territoires que je n'ai pas encore mis sous la main. Qui peut m'arrêter de toute façon? Hein, voilà, qui peut m'arrêter? Et l'Allemagne et l'Autriche, étant donné qu'ils sont en guerre, ne peuvent pas vraiment intervenir contre moi. Donc il y aura ces petits pays-là, plus l'Espagne. Donc d'abord, on termine la France. On termine la France parce qu'on en a besoin. Il faut impérativement qu'on achève la France. Et une fois que la France est achevée et sécurisée, on va aller s'occuper des petits États africains. C'est parti. Du caoutchouc, très bien. Voilà. Là, alors là, évidemment, je ne passerai pas. Parce qu'attaquer Paris, c'est un peu compliqué. Voilà, là, c'est pas dit que ça passe non plus. Alors. Ouais, là, je ne pourrais pas passer. Ouais, là, c'est bon, je passe. Ok. Très, très bien. La Birmanie soutient. Ok. Voilà, là, la France va vite tomber. Hein, parce que Paris et l'Île-de-France est en partie occupée. Voilà, c'est fait. Voilà, donc on a récupéré la France. Voilà, on a récupéré la France. Yes, on gagne 400 000. 400 000, messieurs. Voilà, on va remettre. On va ici rebidouiller de ce côté-là. Voilà. Bien, on est très très bien. On a récupéré la France. Yes. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire passer comme loi? Le gouvernement, on est un petit peu inacceptable sur les bords. Alors, suffrage des femmes, c'est bon, de toute façon, on a le suffrage universel, ça c'est bien. Travail des enfants autorisé. École primaire, pas obligatoire. On va gagner un peu moins d'argent, mais je pense que ça passerait. Ensuite, sinon, fiscalité graduée, fais voir. Non, on perdrait de l'argent. Système de santé, assurance maladie. Oui, j'ai plein d'admin. J'ai plein d'admin, c'est parti. On va partir sur l'assurance santé et on va commencer à aller s'attaquer un petit peu à tout ça. Ou alors on s'occupe tout de suite de l'Espagne. Je pense qu'on va tout de suite s'occuper de l'Espagne. Ça me permettrait de prendre là, de partir ici et de faire un débarquement. Oui, on va tout de suite s'occuper de l'Espagne. Let's go. Non, attends, on va d'abord. Hein. Non, on va d'abord occuper quelques. On va s'occuper de quelques petits états d'abord. On va se refaire. Non. On va d'abord faire des petits coups diplomatiques. Poup, poup, poup. On va faire des fantoches. Voilà. On va y aller tout doucement. Le temps de se refaire une petite santé économique. Voilà, parce que là pour le moment je suis encore en cessation de paiement. Vide d'abondance, excellent. Parfait. Voilà, on va faire ça comme ça. Et pourquoi est-ce que ça va être important? Parce qu'ensuite là j'ai un gros fonds. Hein. J'ai un gros fonds à 35 millions. Je vais pouvoir relancer ma prod. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les. Ouh, que c'est beau ça! La Compagnie des Indes et la Birmanie contre les États libres d'Amérique. Alors j'ai un peu peur. Hein. Ça va? Pff, oui. Ah, ils veulent faire de Dynam un pays fantoche. Ah, interesting. Très intéressant. Mais bon, là, de toute façon, il n'y a aucun. Aucun problème. Vous savez quoi, si on faisait une petite rivalité? Je crois qu'on peut encore faire une petite rivalité, non? Rivalité. Avec qui je deviens rival? Oh bah oui, lui, bien évidemment. 400 influences. Voilà, donc. Alors oui, nous sommes dans un contexte particulier, du coup, il y a Mini Panda numéro 2 qui est derrière moi. Allez, on continue. Voilà, le Futa Toro a renoncé. Donc là, ensuite, hop, ici, let's go.
Ça me permet d'avoir des micros armés. Ah, là, je peux pas. Sujet de la Scandinavie. Scandinavie. Hey yo, Crazy, comment vas-tu? Scandinavie, ça suffit. Scandinavie est une grande puissance ou une petite puissance? Qui c'est qui va se faire fantoche par les Africains? Qui c'est qui va se faire fantoche par les Africains? Comment vas-tu? Regarde-moi ce Sokoto. Regarde ce Sokoto et regarde où est le Sokoto. Sokoto par-ci, Sokoto par-là. Et oh, le Sokoto, il est même là. Oh oui, le Sokoto, il est même là. Oui, j'ai fantoche. Donc le Sokoto, Crazy, a mis le Portugal en protectorat, a fantoche la France et a fantoche le Royaume-Uni. Bonjour. Ah, il y a fantoche, évidemment, une partie des États-Unis d'Amérique aussi. Comment vas-tu, Crazy? Tiens, hop, j'en profite. J'en profite. Ah oui, non mais attends. Et là, moi j'y vais à fond, hein, j'y vais à fond. Alors, il y a les Captain Cormac aussi, d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à aller voir Crazy, qui fait un peu moins de Victoria, d'ailleurs, en ce moment. Mais n'hésitez pas, il fait pas mal de jeux Paradox aussi, en ce moment. Donc, n'hésitez pas. Il fait même, mais il ne fait pas que ça, hein, bien sûr. Et Captain Cormac, oui, Captain Cormac est encore là. Hop, voilà, toc, voilà, allez les voir. C'est voilà, deux très très bonnes chaînes. Ah, juste mini pause. Voilà, alors il va falloir que je fasse une mini pause. Donc je mets juste l'enregistrement ici en pause. Ne vous inquiétez pas, j'en ai pour 30 secondes. Il y a un léger souci technique à régler de la part de Mini Panda numéro 2. Voilà, donc en attendant, hello Crazy, je reviens tout de suite. Tout de suite, ne quittez pas, vous allez voir. On va faire des choses, notamment sûrement avec l'Espagne et les petits pays africains. Restez là, ne partez pas. C'est pas le moment. Voilà, donc hop, petit retour de ce côté-là. Voilà, très attention ici. On va baisser les impôts. On baisse les impôts, je gagne 100. Ouais, c'est bon, voilà, hop. Allez, tout le monde va être content maintenant. Tout le monde va être content. Bundeli contre nous. C'est où ça? Soulèvement Bundeli. Ouais, est-ce que c'est que ce machin? Ouais, est-ce que c'est que ce machin? Ah, ici. Ici. D'accord, ils sont là. Là, ici. Donc je fais très très attention ici. On va peut-être... voyons voir si on baisse les taxes. Si on baisse un petit peu les taxes, voyons voir. Le tabac. Ouais, hop, on enlève les taxes. On enlève les taxes. On va enlever même les taxes sur les services. Non, on va enlever les taxes sur les... Hop. Voilà, allez, on enlève des taxes. On enlève des taxes. Vous allez voir, ça va être plus sympa. Ça va être beaucoup plus sympa. Voilà, attention, attention aux oulémas, là. Et du coup, bah, les oulémas, mais bien sûr, attends, les oulémas. Les oulémas, je vais les réprimer. Voilà. Ah non, est-ce que je peux encore les réprimer? Oui, je les réprime. Bim! Voilà, je vous réprime, les gars. Je vous réprime. Fallait pas. Fallait pas faire ça. Fallait pas. Faut pas m'embêter. Voilà. Moi, je vais envoyer... ouais. Je vais envoyer un petit... Allez, je vais envoyer une petite armée. Allez, je vais envoyer 6 bataillons. Allez. Ah mais non, je peux pas, en fait. Je peux même pas les envoyer, en fait. Je peux même pas les envoyer. Bah, désolé, vous allez vous débrouiller tout seul. Voilà. Sachant que en vrai, attention, je peux encore diminuer tout ce qu'il y a ici. Hein. Je peux faire des grosses, grosses économies, hein, si je le veux. Donc, j'ai aucun problème par rapport à tout ça. Voilà. Donc, on y va, on fait les économies. C'est bon, ça diminue, c'est parfait. C'est parfait, ça diminue. Hop, que se passe-t-il? Ah oui, donc comme je le disais, c'est vrai, ils sont en guerre. Hein, là, les deux sont en guerre. Donc, on va économiser un peu. On va s'attaquer aux petits dans un premier temps pour ensuite aller s'attaquer à l'Espagne. Une fois que l'Espagne c'est fait, hop, les États-Unis. Go! C'est parti, coup diplomatique. Allez, viens ici, viens dans la popoche. 2 millions. Hop! Let's go! Je vais tellement les bouffer là, tous ceux qui sont là. Ça va m'en faire 3 d'un coup, ça va leur faire drôle. Ça va leur faire drôle. Allez, let's go. Parfait, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Voilà, donc, nous avons qui? Nous avons Bouganda.
Eh ben, on va faire du Bouganda, un petit fantoche, ou un petit Dominion. Allez, un petit Bouganda. Allez, un petit Dominion. Voilà. Et nous avons aussi. Nous avons qui? Nous avons les encollés. Attention, attention à la prononciation, s'il vous plaît. Hein? Attention à la prononciation. Ce sont les encollés. Normalement, ils doivent être super inquiets. Ouais, ils sont super inquiets. Ah! Ah! La Russie. Ouais, bah allez-y, les... Ah, c'est vrai que j'ai un truc ici. Oh, j'ai un truc ici. Oh, je vais simplement demander une paix blanche pour la... Je demande rien contre la Russie. Je demande rien. Non, 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 pas besoin. Je n'ai pas besoin. La Russie n'est quoi encore? C'est encore une grande puissance. Ouais. Encore une grande... Je demande rien contre la Russie. Pas besoin. Pas besoin, pas besoin. Je veux simplement ici, voilà, et après je fais une paix blanche. Pas de problème. Parce que du coup, là, du coup, ils vont faire la guerre. Bah oui, ils veulent faire la guerre, du coup. Je suis intimement persuadé qu'ils se disent... non, peut-être pas. Ok, donc, on va mettre quelques petits bataillons. Bonjour. On va venir ici. Bonjour. Hop, toi, Sharif Agalawa, là, hop. Tu vas venir ici. Voilà. Touk-touk, Baba, hop, bah, tu vas venir ici. Quoi de neuf, Baba? Rien du tout, chef. Eh ben écoute, pas bah, s'il n'y a rien du tout, tant pis. Voilà. Et on empêchera évidemment les navires russes de venir. Ah, un petit révolutionnaire. Le Bhopal. Mais allez-y, allez-y, mais c'est pas grave. Révoltez-vous. Révoltez-vous, c'est pas grave. Moi, ça me pose absolument pas de problème, les gars. Allez-y, révoltez-vous. Ça me dérange pas. Voilà, moi je gagne de l'argent, c'est très bien. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas, mais pas du tout. Les affaires marchent très bien en ce moment. Parce que d'ailleurs, du coup, mon petit fonds de... Oh, mon fonds est à 40 millions. Et les gars, ouh. Ah, j'ai rien à faire. Bah, attendez, 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 attendez. J'ai rien à construire. Attendez, attendez, attendez. Des fruits. Il me faut des fruits. Des fruits. Alors les fruits... Les fruits, c'est quoi déjà pour les fruits? C'est des bananes? Je crois que c'est des bananes. Je crois qu'il faut que je produise de la banane. Mais ma population est tellement riche qu'il leur faut de la banane. La banane. On est bien d'accord. Oui, des fruits. Voilà, plus de fruits, des fruits. Donc on va manger. Moi, je vous dis tout de suite. Messieurs, hop 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 hop, ouh, il y a des petits problèmes de hop 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 hop, faible accès au marché. Allez, on y va. Faible, ah oui, effectivement, gros gros problème d'accès au marché là. Pénurie de moteur, je suis sûr. Bah oui, pénurie de moteur. Voilà, pénurie de moteur. Donc on va construire encore plus d'usines de moteurs. Bim, 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 15 moteurs. Et après, on va améliorer tout ça. C'est normal, hein, c'est normal, j'avais dû tout mettre en pause du fait de la guerre. Maintenant, on reprend. Voilà, et là, le fond. Allez, hop. Ça va aller vite, hein, ça va aller très très vite. L'avantage, c'est qu'ici, le... Voilà. Voilà, petite guerre contre ça, je m'en moque un peu. Alors, personne ne revient, là, personne ne rejoint? Bah non, personne ne rejoint. Bah écoutez, tant pis, hein. Tant pis, on va y arriver, on va les manger tout cru. On va les manger tout cru, ces trois-là. Et après, ça va être la paix. C'est la paix. Veuillez brûler cette lettre. Ah oui, s'il vous plaît, brûlez ces deux lettres. Maintenant que nous savons écrire. Ah bon? Mais oui. Hop! Oh, c'est pas vrai! Moins 72 000. Ah oui, non. Alors, le gros problème, c'est que là, ici, ça va pas du tout, en fait. Ça va pas du tout. Maintenant qu'il y a les propriétaires qui s'y sont mis, ça va pas du tout. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas le moment d'avoir une guerre civile, c'est pas le moment. Donc on va. Et en plus, ils sont. Putain, mais ils sont là, en plus, les propriétaires, quoi. Ils représentent plus rien, quoi. Ils représentent plus rien, mais c'est encore suffisant. Suffrage des femmes. C'est vrai qu'en fait, la majorité de la population est en fait favorable, en fait. Incroyable. Donc on arrête l'assurance maladie. On va partir sur les femmes. On va continuer à switcher. On va faire des switches.
Les propriétaires ont toujours été et resteront vraiment très forts. Allez. Let's go. Voilà. Hop, petite guerre très rapide. Bim, bim, bim. Voilà, hop, tout ça c'est fait. On mange tout ça. Miam, 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 miam. Voilà. Allez, on a quasiment terminé. C'est les communistes qui sont à fond au gouvernement. Excellent. Pardon, excusez-moi. Voilà, les communistes sont au pouvoir. Touc. Merci. Voilà. Est-ce que je tenterais pas... Oh, est-ce que je tenterais pas une république des conseils? Je l'ai jamais fait. Voilà, là c'est le bazar. Là c'est le gros bazar du coup. On élimine un petit peu tout ça. Allez, vous me nettoyez tout ça, s'il vous plaît. Et on sera bien. Voilà. Tac, tac et tac. Là, comme ça, c'est fait. Le pétrole découvert à Mossoul, c'est bien, mais j'en ai pas besoin en fait. Enfin, si, je vais en avoir besoin. Ouh, faut peut-être que je passe au pétrole aussi quand même, au bout d'un moment. Alors, en fait, c'est les Anglais. Les Anglais qui font le travail à ma place, c'est très très bien. Bhopali radicaliste, si vous voulez, hein, vous avez tout à fait le droit de faire. Voilà, femme propriétaire, c'est fait. On dirait les propositions de l'opposition. Voilà, ça y est, je deviens féministe. Excellent. Donc là, en fait, maintenant, je vais regarder autre chose. Puisqu'on a un gouvernement profondément légitime. Monarchie, non. On va passer d'abord en république présidentielle. D'abord. 86% de la population y est favorable. Là, ils n'ont aucune chance. Voilà. Puis on va s'occuper après des autres petits là qui sont dans le secteur. Tac, 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 tac. Ça va aller très très vite. Ça va aller très 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 vite. Est-ce que je peux faire d'autres coups? Non, parce que non. J'ai pas de coup diplomatique. Si, j'en ai un encore, quoi. Ouais, mais j'y renonce à ce machin. Ah non, je suis obligé. Je suis obligé. Ça m'intéresse pas. Youhou. Toi. Toi, tu vas venir ici. Hop, voilà. Soulèvement Bakongo. Ah non, 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 non. Ah, attends. Soulèvement Bakongo, c'est ici. Alors attends, soulèvement Bakongo, je viens aider. J'aide. Ah, je viens complètement aider. C'est pas le moment d'avoir un pays indépendant, hein. Ah, ça suffit le pays indépendant. Hop, 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 c'est quoi ça? Dites donc les Russes. Dites donc les Russes, 60 jours. Les Russes qui ont fait un débarquement, incroyable. Incroyable. Mars des suffragettes, eh ben, c'est très bien. Désolé. Ah, les Russes, ils m'ont bien surpris là. Du coup, je vais envoyer la flotte. La flotte, vous allez attaquer les convois russes. Ah là, mais les Russes, là, ils vont pas aimer. Ah là, ils vont pas aimer. Hop, ils n'auront plus un seul. Mais alors, pas un seul copec. Voilà, j'ai plus rien en construction, c'est très bien. Encore des fruits, donc il me faut des bananes. Il me faut des bananes, c'est parti. Pop, pop, pop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Des outils, de l'acier, du charbon. Toujours plus de charbon. Très bien. Du charbon. Ouais, Royaume Zoulou, ça me paraît bien. Parfait. Puis on va en mettre la Corrèze plutôt que le Zambèze. Oups. Voilà. Du coup, peut-être que je vais en mettre un peu plus chez les Zoulous. Voilà. Ensuite, il me faut des outils. Toujours plus d'outils. Toujours plus d'outils. Guinée. 5 de plus en Guinée. Et de l'acier. Donc des grosses aciéries au Dahomey. Voilà, au Dahomey et puis à Bornou. Voilà. Alors ensuite,
Là, normalement, ça devrait commencer à aller mieux. Ça devrait commencer à aller mieux vu que je produis de plus en plus. Voilà. Royaume Zoulou, on y va. On va accentuer la fabrication des ports. Plus ceci. Ensuite, le Niger. Niger, on va... Ah oui, il est peut-être temps quand même de mettre un petit peu plus. Effectivement. Royaume Haoussa de l'Est. Ouais, Royaume Haoussa de l'Est, effectivement, je suis un peu juste. Hop, il m'en faut deux de plus. Home Counties. Alors, les Home Counties, c'est une horreur. 1, 2, on va faire ça. Et on va mettre une voie ferrée en plus. État libre. État libre, on est en plein à l'intérieur des terres. On va mettre 2. Ensuite, Ubangi. Ubangi. On va mettre 2 voies ferrées en plus. Ensuite, Royaume Haoussa. Mettre un peu de pétrole quand même aussi après. Hein. On va passer au pétrole hein, quand même. Il faut qu'on passe au pétrole. Parce qu'on est en 1925, on n'a pas une seule installation électrique. Enfin si, on en a un tout petit peu. Un tout petit peu, mais trois fois rien, quoi. Alors, on va mettre deux ports. Deux ports et une voie ferrée. Et Nigeria, on va agrandir le port. Ah non, on peut pas. Hop, deux voies ferrées. C'est parti. Let's go. Là, on y va. Pap, 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 pap. Ça produit, ça produit, ça produit. Alors. Ouh, minute papillon, j'ai pas. Ouais, si, voilà. Il y a un autre truc ici aussi. Ben, s'il y a un autre truc ici. Tac, on va se mettre là. Pop! Voilà. Très bien. Donc là, ils arrivent très vite. Voilà. Ok, capitulation d'Ankole. Bugno, voilà. Il en reste encore un qui va tomber dans pas longtemps. Voilà. Ah mais non, mais je vous jure, c'est pas comme ça que ça va se passer. Hein. Migration Bakongo, c'est très bien. Donc là pour... Ah, ta, 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 ta. Bah non, j'ai rien en fait pour le moment. Allez. Voilà, hop, on passe tout de suite à l'attaque de ce côté-là. De ce côté-ci. C'était pas là en fait. C'était pas là. Je comprends pas trop où il est en fait celui-là. C'est ici, hein. Ouais, je comprends pas trop le machin. Ah mais c'est bon, il est en offensive déjà. Il est en offensive. Ok, donc il va partir à l'attaque. Ok. Capitulation du Bouganda. Très bien. Et la guerre est terminée. Bien, ça c'est fini. Excellent. Voilà. Donc on gagne des sous. C'est très bien. Tac, tac, tac. Mais je suis déjà dans des coups diplomatiques, donc je peux absolument rien faire. Du coup, ici, je vais aller mettre des troupes. Je vais aller mettre. Oui, 10, très bien, parfait. Ah bah ben, c'est bon ici. En Inde centrale. Ouais, ok. Toi, tu vas aller ici. Ah, je peux pas y aller. Ah! Pourquoi je peux pas y aller? Ah bah oui, parce que c'est un simple protectorat. Alors, donc en fait, il faut que hop, j'intervienne. J'interviens. Hop, ici. Ah non, il viendra pas. Il viendra pas, il viendra pas. Donc il va y avoir un soulèvement Bakongo ici. Fais voir, t'as les sous? Ouais, t'as les troupes, t'as les troupes, t'as les troupes. On va voir si ça peut marcher. Donc en fait, je suis obligé de renoncer en fait. Moi, je déclare ma neutralité. Je déclare ma neutralité par rapport à ça. Voilà, ici ensuite. Là, la guerre n'est pas terminée, mais je pense que je peux encore faire quelque chose. Là, ils n'ont pas fini en Allemagne et en Autriche. Ok, donc on va continuer à faire d'autres coups de ce côté-là. C'est parti. Non, le monde n'est pas encore 100% sous. Ben, en fait, parce qu'il y a eu un petit coup diplomatique et la Russie, elle est venue. Me dis pas qu'il m'adore. Ben non. Ah si, donc c'est à cause de la guerre, je peux rien faire. Comme il y a une guerre, ici je peux pas, je peux rien faire. Je peux vraiment rien faire du tout. Mais bon après ça va, la guerre se passe bien. Donc la guerre sera bientôt terminée. Donc j'en profite moi pour reconstituer mon économie. Pas de soucis. Donc dès que la guerre est terminée de ce côté-là, on repart de l'autre côté. On est en 1925.
Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Il va y avoir plein de fruits, plein de... Voilà, parfait. On a un joli petit fonds, on a un très joli petit fonds d'investissement. Donc autant qu'on en profite. Allez. Voilà, je peux pas intervenir parce que j'ai aucun accès à la mer ou quoi que ce soit. Ok, donc là j'ai l'impression que la guerre est pas prête de se terminer en fait. Ah, c'est bon, il y a des alliés qui arrivent. Il y a des alliés qui arrivent. C'est les miens ça? Mais oui, c'est les miens qui arrivent. Oui, c'est les miens. Je suis une république. Oui! Excusez-moi. Du coup, on va enlever ça. On va enlever la question des services. Allez, hop, plus de taxes sur les services. C'est fini les gens. Voilà, on ne vous taxera plus jamais. Voilà, donc là attention, c'est plus la même chose les gars. C'est pas des Indiens contre des Indiens, c'est des Sokotos contre les Indiens. Les gars sont des vétérans. Allez, vous dégagez. Du pétrole découvert à Bolivar, c'est très bien. Allez, en avant. Voilà, on me débarrasse le plancher là, le soulèvement aristocratique. Voilà. Et on va s'occuper des petits pays des Grands Lacs là. Alors, malheureusement, voilà, là je ne peux rien faire parce que du coup, bah, c'est uniquement pendant la phase d'ouverture. Donc là, en fait, le Katongo va devenir indépendant. Donc c'est pas grave, je vais déclarer une petite indépendance. Enfin, je vais déclarer une mini-guerre par rapport à ça. Moi, ça me permettra d'avoir des territoires en plus. J'ai du temps. J'ai encore un peu de temps, il me reste 10 ans. Ouais, 10 ans, c'est largement faisable. Bhopal. Je déclare ma neutralité. Je peux pas changer de camp. Ah non, mais je peux la déclarer après. Je pense que je peux la déclarer après. Vous êtes, c'est parce que c'est un fantoche ou... C'est un fantoche, donc je peux pas m'en débarrasser. Ouais, mais remarque, c'est bon parce que je vais avoir des troupes qui seront... Ouais, ça va être constamment, constamment ça. Non, je vais pas y arriver à cause de ça quand même. Juste à cause de ce petit bidule là. Je peux pas y aller. Ça va me gonfler. Parce que si c'est constamment. Remarque, attends, je pourrais leur donner leur indépendance. Hein. Si je libère les pays, je n'ai plus rien à faire en fait. Toi, je te libère. Si je te libère. Je te libère. Ça me dérange absolument pas hein, de les libérer. Absolument pas. Interaction. Je te libère. Je peux pas te. C'est ça, c'est parce qu'en fait, il y a un coup diplomatique en cours. Donc, une fois que le coup diplomatique ici sera terminé, voilà, de toute façon, il va. Faut que je me libère de tout ça. Sinon, je vais jamais avoir la possibilité de pouvoir m'occuper du reste. Jamais. Alors là, normalement, est-ce que je peux me dé... Je peux pas changer de camp. Non, je change le camp. Hop! Ah non, je peux pas. Ah ouais, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas... Remarque, si, tiens, après tout. Ah, parce que du coup, la guerre sera rapidement gagnée. Ah non, me dis pas. Oh! Attendez, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Faut que je charge la partie, parce qu'en changeant de camp, en fait, c'est je quitte le pays, en fait. Je quitte le pays. Donc, c'était quand? Ok, donc il faut... Oui, j'ai fait une bêtise, j'ai fait un misclick. Un misclick. Donc, je pars en autosave. Voilà, janvier. Hop! Voilà. Le petit misclick, ça arrive à tout le monde. Charge, mon petit. Charge. Charge. Ah, c'est pas le moment, là. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Allez. On y va, on y va, on y va. Let's go. Voilà. J'ai dit voilà. Parce que le problème, ça, c'est que tant que...
tant qu'il y a un coup diplomatique ou etc. Si en fait à la limite dès qu'il y a une guerre, je leur déclare, ouais. Je vais leur accorder potentiellement l'indépendance et j'accorde l'indépendance. Ça me dérange pas de donner l'indépendance en fait à tous les pays indiens. Si ça me permet de débloquer un petit peu tout ça, ce sera pas plus mal. Juste attendre un petit peu, hop, mettre ça un petit peu en pause en attendant. Hop là, voilà. Alors j'ai fait un petit coup sur le Rwanda rapidement. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je crois qu'il y a eu un léger bug par rapport à ça. On va faire un Dominion ici. Let's go, on y va, on continue, on continue, on continue. Let's go. Là j'ai plus peur de rien, j'y vais à fond. Ascenseur, bien, excellent. Let's go, let's go. Alors. Tac, je gagne toujours de l'argent. Le fonds d'investissement fonctionne. Tout va très très bien. Arpentage du gratte-ciel. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il y a les Cherokees qui se... Ah! Interesting. Peut-être que les Cherokees voudront... Ben non, remarque, non, ils m'auraient appelé si vous voulez de l'aide. Voilà, donc la Russie qui soutient, bien évidemment. Donc on va à nouveau mettre Baba. Ah, parfait, il y a de la verrerie, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc il y a Baba qui arrive. Et Sharif, voilà. Il y a Baba et Sharif. Hop là, let's go. Tac, ensuite, on y va. On va construire, donc c'est les verreries. Voilà. Ouais, non, je crois que c'est... Ou alors c'est les usines chimiques. Je crois que c'est peut-être les usines chimiques. Oui, non. C'est quoi que je viens de découvrir, alors? Il faudrait que je relise de temps en temps quand même les technologies que je découvre. C'était ça, souffleuse de verre. Oui, c'est ça, c'était... Ah, c'était pour ça, alors. Ouais, allez, hop. Hop, let's go. Voilà, donc tout ça va être construit rapidement. C'est parti. Donc normalement, voilà, ils sont très inquiets. C'est parfait, donc ils vont renoncer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh, subvention salariale, mais bien sûr. Subvention salariale, bien sûr qu'on va vous... Bien sûr, bien sûr. Vous allez voir, déjà... Je pense qu'on va passer sur l'assurance maladie publique ou subvention salariale. Au pire, on passe carrément... Ouais, on passe carrément sur les pensions de retraite. Et hop, voilà, moi, chez moi, la question des retraites, ça ne se pose pas. Tout le monde aura droit à une retraite en Afrique. Tout le monde. Incroyable, et pourtant, c'est vrai. Ça me fait penser d'ailleurs aussi, niveau bâtiment, niveau admin. Oh, mais oui, où est-ce que je peux mettre le petit gratte-ciel? Je vais pouvoir le mettre où, mon petit gratte-ciel? Je pense que... Oh, si je le mets dans la capitale, ça va être chouette, ça va être chouette, ça va être chouette. Alors, ah, mais oui, mettre 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti. Il me faut encore de l'admin parce que je vais arpenter le canal de Suez. Voilà, Karagwe renonce, c'est bien. Le prochain sur la liste, c'est toi. C'est toi. Hop, voilà. Ah, moi j'y vais, hein. Moi j'ai pas peur, j'ai pas peur. J'ai encore 3 ans, de toute façon, dans la prochaine guerre. Contre les États-Unis. Chantier naval en béton, très bien. Allez, la Russie, je suis sûr que tu vas vouloir le soutenir aussi. Je suis sûr que tu vas vouloir soutenir. États-Unis. En vrai, si je m'attaque au Congo, je peux aller coloniser ça après. Ouais, je m'attaque au Congo après. Je prends le Congo, je vais récupérer ça rapidos. Ça va être fun. Oh, oh, c'est encore mieux! Oh, que c'est encore mieux! Les États-Unis libres d'Amérique soutiennent le Burundi. Oh, que c'est encore mieux, ça! Oh, c'est encore mieux! Oh, que c'est encore mieux! Mec, fallait pas que tu fasses ça. Fallait pas que tu fasses ça. Parce que du coup, ça me permet de terminer en 31. Si je continue après à provoquer, il y a peut-être des choses, il y a peut-être moyen à faire. Il y a peut-être moyen de faire, il y a peut-être moyen de faire. Alors, on y va. Ah mec, fallait pas que tu fasses ça. Fallait pas que tu fasses ça. Katanga. Attends, c'est quoi ça déjà?
Ça, c'est en fait si on pouvait littéralement récupérer donc Herero, Nama, Botswana, Cap Nord. Là, fallait pas que tu fasses ça, mec. Conquérir l'État. Conquérir l'État. Voilà. Là, en fait, ce qui serait bien, c'est si on pouvait simplement cliquer. Un petit truc qui serait pratique, c'est quand même qu'on puisse cliquer simplement l'endroit où on veut aller. Ce serait beaucoup plus simple, beaucoup plus ergonomique. Namaqualand. Parce que là, du coup, je perds du temps. Ah, mais là, il va pas comprendre ce qui lui arrive, là. Herero. Il me reste 25 points. Là, c'est quoi? C'est Namaqualand, c'est bon. Herero, c'est bon. Botswana, c'est bon. Zambie. Zambie, 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 Zambie. Je l'ai peut-être demandé déjà, le Zambie. La Corrèze plutôt que le Zambèze. Non, c'est pas ça. Katanga. J'ai demandé le Katanga? Non, j'ai pas demandé le Katanga. Voilà. C'est parti. Ah là, fallait pas là. Là, fallait pas, mon petit. Il fallait pas, mon petit. Parce que alors, du coup, bâtiment, développement. Je suis à fond. Je suis à fond. Je suis pas à fond, mais je suis à fond. Reconnaissance motorisée. Non, j'ai pas de voiture, j'ai pas de voiture, j'ai pas de voiture, j'ai pas de voiture. On va prendre reconnaissance aérienne. On va prendre des avions. Hôpitaux de campagne. Normalement. Mes usines d'aviation, elles sont où mes usines d'aviation? Aviation, aviation, elles sont là. Je les mets en priorité. Ah, je les mets en priorité, mes usines d'avion. Voilà. Bien. Je crois que là, ça va faire des choses. Là, on va faire des chocs à pic. Let's go. Je mobilise tout le monde. On mobilise les généraux! Voilà, voilà, voilà. Vous vous rendez compte que je viens de mobiliser absolument tout le monde. Pour le moment, tout va bien. Formation des sous-officiers, excellent. Ouh, je peux encore mettre du coup une petite amélioration supplémentaire. Palabala, palabala, palabala. Hop, ici, infanterie d'escouade. Hop. Du coup, on va continuer ici du côté militaire. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre du côté militaire maintenant? Troupes d'assaut? Ouais, ce serait pas mal quand même. 3 ans ou fortification. À 40% de défense. Allez hop, 40% de défense, c'est parti. Tac, 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 tac. Et après, pour aller sur les chars d'assaut. Tac, 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 tac. C'est parti. Oh, comme c'est mignon. Ah oui, il y a la Grande-Bretagne qui est là. Ouh, comme c'est mignon. Alors, je vais mettre. Hop, Odoo. Odoo, je te mets là. Hop. Abdullah, je te mets là. Hop là. Voilà, je te mets là. Du coup, en fait, est-ce que je peux mettre des troupes ici, en fait? Ce serait intéressant de savoir. Je peux en mettre ici maintenant. Voilà. Allez. Maintenant, on va massivement investir dans les troupes ici. Allez, bim, bim. Ah là, mais là, c'est le moment. C'est le moment. Il faut vraiment en profiter à fond. J'ai tous mes alliés qui vont venir. Il va falloir jouer à fond la moindre provocation. La moindre provocation. Pour essayer d'aller choper le moindre petit territoire qui appartiendrait aux États-Unis. Parce que là, ils ont tellement de territoire, ça va être un peu compliqué. Je vais me mettre là. Je vais me mettre là. Hop là. Let's go. Go, 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 go! On va commencer la mobilisation dans un instant, bien évidemment. On va commencer à intercepter les convois aussi. Interceptons les petits. Ah ouais. On va complètement intercepter les convois. Interceptons les convois. L'Allemagne soutient Katyri. Ouais. Ok. Non mais il n'y a pas de souci. Toi, t'as pas de troupes. Allez, Ousmane. Ousmane, tu vas aller attaquer tous les convois américains. Tu vas ruiner le commerce américain. Voilà. Pareil, Abdullah, tu vas ruiner le commerce américain. Tu vas te mettre là. Toi, pareil. Hop. Hop là. Ensuite, on a qui? Hop, Oumar. C'est parti. Tu vas empêcher le ravitaillement des troupes américaines. Hop, ici. Et je crois que j'ai encore des troupes. Non, c'est bon, tout est prêt. Tout est prêt, tout est prêt.
bien militaires coûteux, bien gouvernementaux. Je sais, mais j'en ai rien à faire. J'ai la maîtrise. Voilà, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Bah si, j'ai totalement la puissance. Let's go. Voilà. Ah oui, c'est vrai que j'ai des petites troupes à mettre. Ouais, c'est bon, les Anglais arrivent. Voilà, c'est bon, c'est les Tunisiens. C'est les Tunisiens qui vont aller s'occuper du Burundi. Tout ça pour le Burundi, hein, les gars. C'est pour le Burundi. Hein. Allez, on y va. Et comme vous le voyez, je gagne des troupes. J'ai encore de l'argent. J'ai encore de l'argent. Donc là, mes troupes arrivent en 30 jours. Voilà, et ma fille qui parle en portugais. C'est trop mignon. Excusez-moi. Allez, on va même lever quelques petits conscrits. Pff, je gagne tellement de pognon. Je gagne de l'argent, mais je gagne tellement de pognon. C'est incroyable. Allez, on lève tout le monde. Voilà. Peut-être pas forcément tout le monde. Pof, pof. On lève pas forcément tout le monde. Hein. Voilà, on lève pas tout le monde. Ça sert à rien pour le moment. On ne lève pas tout le monde. Voilà. Donc ils veulent vraiment aller ici. Interesting. C'est trop mignon. Voilà, guerre avec le Burundi. C'est parti, guerre avec le Burundi. Voilà, donc là normalement, mes troupes sont là. Les troupes sont là. C'est parti, toi. Hop, allez hop, tu passes à l'attaque. Tu passes à l'attaque ici. Bim! Oh, t'as pas honte? T'as pas honte, Gold? T'as pas honte, t'as pas honte. Oh, ils ont personne ici. Ils ont personne ici. Vite, vite, vite. Go, 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 go. On fonce, on fonce. Et là, ils ont personne ici. Allez, vite, on fonce, on fonce. Ah, on fonce, on fonce, on fonce. Et c'est sur ce petit on fonce, on fonce, on fonce que je vais faire ma petite pause YouTube. Oh que je suis odieux, oh que je suis odieux. Une guerre qui vient tout juste de démarrer. Et je décide de faire une petite pause YouTube. Eh ben oui, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à tout de suite.